Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité, prêt pour demain. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre Facebook Live. Aujourd'hui, on parle des programmes agricoles. Donc, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire. On est là tout le long du Facebook Live pour pouvoir y répondre. Donc, sans plus tarder, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nadia Carrier, qui est coordonnatrice des programmes d'agriculture. Salut Nadia, ça va bien? Allô Audrey, oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Là, ben c'est ça, on a de plus en plus de questions concernant les programmes agricoles à la cité, puis j'aimerais ça qu'on démystifie tout ça ensemble parce qu'il y en a beaucoup. Oui, t'as raison. Dans le fond, on a trois programmes principaux. Fait que premièrement, on a le programme en production animale et grande culture. Donc, c'est un seul programme, un programme de 2 ans, diplôme de technicien. Ensuite, on a le programme de production de fruits et légumes. Même chose, on a 2 ans, programme de technicien. Et depuis septembre dernier, on a maintenant le programme en production de cannabis qui est aussi de 2 ans. Puis, on a plein de différents cours, de différents stages, de différentes activités là, qu'on pourra discuter ensemble. Mais on a aussi un programme de certificat de 1 an. Donc, okay. Ça peut des fois être intéressant pour quelqu'un qui veut commencer par faire 1 an, voir s'il aime ça. Donc, ça donne un certificat. OK, super. Puis après cette certification-là, mettons d'un an, est-ce que c'est possible à l'étudiant de décider de poursuivre dans un autre programme de 2 ans afin d'avoir le diplôme? Ou Oui, exactement, parce que dans le fond, c'est une partie des cours qui se retrouve à être en commun avec les autres programmes. Donc, il va choisir sa spécialisation, là, soit animal et grande culture, fruits et légumes ou cannabis. Puis ensuite, il peut continuer vers le 2 ans à aller chercher les cours qui lui manquent là, pour avoir le diplôme de technique. Sinon, celui d'un an, ça donne un certificat de pratique agricole. Ok, super. Là, j'aimerais ça peut-être qu'on passe programme par programme pour que tu nous expliques un peu ben, qu'est-ce qu'ils apprennent dans le cadre du programme parce qu'ils apprennent des choses différentes dans les 3 programmes qui sont très différents ouais. aussi. Donc, peut-être nous parler au niveau de la technique agricole, au niveau des fruits et légumes. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent les étudiants dans le cadre de ce programme-là? Bien, on va commencer par fruits et légumes si tu veux, mais aussi, dans le fond, je veux mentionner que il y a beaucoup de cours en commun, mais il y a certains ouais. cours en commun. Là, fait que peut-être, si tu veux, je vais prendre le programme de fruits et légumes pour présenter les cours en commun, puis après ça, on ira en détail. Parti, super, je te laisse aller. fait que les cours en commun, dans le fond, fruits et légumes, animal et grande culture, puis cannabis, fait que premièrement, on va avoir le fameux cours de sciences agricoles. Fait que on voit la base, que ça soit au niveau des mathématiques, des façons de calculer, de la chimie, de la physique. On va revoir des notions qu'on a vues au secondaire, mais appliquées à notre domaine, appliquées à l'agriculture. Okay. Donc, c'est vraiment concret. Les étudiants vont se retrouver là-dedans, puis on utilise des exemples qu'ils vont voir dans les cours, dans d'autres cours, comme par exemple les calculs de fertilisants, les calculs en nutrition animale, les calculs de densité de culture, après ça, de superficie des champs, des bâtiments, etc. Puis, on a aussi le cours de sol et fertilisation qui est en partie en commun avec les 3 programmes. Fait qu'on va y aller avec, que ça soit au niveau des fruits et légumes, sol et fertilisation en champ, en pot, à des cultures qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. On va aller vers des fertilisations qui sont biologiques, conventionnelles. Fait qu'on mélange tout ça. Dans le fond, la santé des sols, l'amélioration des sols, c'est dans ce cours-là qu'on voit ça. Ensuite de ça, on va avoir aussi agro-environnement dans la même lignée. Là. Fait que oui. Si on étudie santé des sols, qualité de l'eau, qualité de l'air, la promotion des bonnes pratiques, pratiques de gestion optimale en agriculture, donc on va voir ça là-dedans. Et aussi, encore là, c'est en commun, donc on peut faire soit des compétences transversales ou échanger des notions entre les différents secteurs. Wow. Après ça aussi, en fruits et légumes, par exemple, la première année, on va avoir un cours d'initiation au domaine des fruits et légumes. Fait que tout ce qui est de la chaîne d'approvisionnement, tu sais, de la production à la transformation, en passant par la commercialisation, tout ça, là, c'est là-dedans qu'on va voir ça. Fait qu'on fait beaucoup de visites aussi, beaucoup de travail là, sur le terrain. Fait que c'est vraiment pratique, c'est tout appliqué là, au domaine. J'imagine, admettons, quelqu'un comme moi qui connaît rien. Dans le fond, au niveau des fruits et légumes, de la production, au niveau de l'agriculture en général, tu sais, je veux dire,
je connais quelques bases, là, mais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose nécessairement que je connais beaucoup. Est-ce qu'un étudiant qui connaît complètement rien peut débuter le programme puis bien réussir? Oui, exactement. Puis ça, ça fait partie de. Ben, on a, dans le fond, on peut dire qu'on a trois grands types de clients. Oui. Je sais pas si on peut parler de ça. Oui, là, oui. Je pense que oui, parce que dans le fond, c'est les gens qui nous écoutent. Ben, on a, c'est certain, ceux qui viennent soit du milieu rural ou qui ont déjà une expérience en agriculture avec leurs parents ou leur famille, mm-hmm. ça les intéresse aussi beaucoup. Après ça, on a une clientèle qui est intéressée par tout ce qui est, comme je parlais, protection de l'environnement, être autosuffisant, faire pousser ses fruits et légumes, cultiver, élever des animaux. Fait que des gens qui connaissent un petit peu moins l'agriculture ou pas du tout, donc on a les cours d'introduction, sciences agricoles, sol et fertilisation, tout ça, ils vont aller chercher ces notions-là qui manquent. Après ça, toute notre équipe aussi de professeurs contractuels puis permanents, on est tous impliqués dans le secteur. Fait qu'on a soit toutes des entreprises ou on est conseiller, agronome, donc on est au courant des dernières technologies, des dernières nouveautés, si on veut. Fait qu'on partage beaucoup d'informations avec les étudiants. Puis aussi, on a, ben, c'est certain, une clientèle internationale. Fait que ça, c'est tellement... riche et diversifié d'avoir accès à tous ces gens-là qui vont partager leur expérience, que ça soit au niveau du Canada, au niveau de différentes provinces au Canada puis de différents autres pays. Là, ça, c'est vraiment fun d'avoir ça. Là. Super. Mais je pense que ça l'aide un peu à comprendre au niveau des fruits et légumes. Puis est-ce que tu veux enchaîner peut-être avec la production animale et grande culture ou peut-être au niveau du cannabis, peu importe. Ben, je vais aller à production animale et grande culture. Production animale et grande culture. Donc, encore là, production animale et grande culture, c'est certain qu'on va parler, ben, grande culture, pourquoi que c'est ensemble avec production animale? Il y en a qui se demandent aussi, là. Parce que beaucoup, la grande culture, culture fragile aussi, on va utiliser ça pour nourrir les animaux. Fait qu'on met ça ensemble, puis souvent, les fermes, ils ont des cultures, puis des animaux. La grande culture, c'est quoi exactement? La grande culture, c'est quoi? Tu sais, pour quelqu'un qui vient du domaine, c'est... Ça doit être très clair, mais quelqu'un, justement, comme moi, là, ça veut dire ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Dans le fond, grande culture, fait qu'on va y aller avec, ben, si on parle du Canada, soya, maïs, tous les grains et autres oléagineux, fait qu'on va apprendre les techniques de production là-dedans, mais on va apprendre aussi la machinerie. Fait que ça, ça va intéresser les tracteurs, les machines de semis, les machines de récolte, après ça, de travail de sol, fait qu'on va tout voir ça. Après ça, ben, au niveau des techniques de production, c'est sûr, on fait tout le temps le parallèle avec le conventionnel puis le biologique. Ouais. Fait qu'on explique c'est quoi les différences. Les gens sont... après ça, ils peuvent choisir là, lequel qu'ils veulent ou faire une combinaison. Une combinaison, dans le fond, c'est jamais tout blanc, tout gris. Exactement. Puis après ça, animal, les gens ont la chance d'avoir soit l'option du stage coop, qui est entre les deux années, dans le fond, entre l'année 1 et l'année 2. Mais ils ont aussi la chance de faire un stage exploratoire. T'sais, donc, tantôt, tu parlais de quelqu'un qui n'est peut-être pas nécessairement familier avec le domaine agricole. Ben, il peut faire un stage exploratoire à la deuxième étape. Puis ça va l'amener à chaque semaine à aller sur une entreprise différente. Fait, il peut se faire son portfolio si on veut aller sur une entreprise laitière, là, tout dépendant des règles de biosécurité, porcherie, poulailler. Mais en tout cas, on peut regarder ça ensemble. Après ça, il peut aller accompagner... quelqu'un au niveau de la COA pour la nutrition animale, la phytoprotection, tu sais, fait que ça va vraiment le guider vers le domaine qui va l'intéresser le plus, puis ça lui donne un portrait là, du secteur. Fait que stage exploratoire ou production laitière. Oh! Ouais, donc production laitière, on a deux cours au choix de production laitière, donc ça s'adresse particulièrement à ceux là, qui viennent de... d'une entreprise laitière puis qu'ils veulent soit reprendre la ferme familiale ou puis c'est vraiment production laitière là, au niveau là, de la vache laitière. Puis c'est au niveau de la production, mais beaucoup axé sur la gestion des troupeaux. Fait que c'est vraiment précis sur la production laitière. Ça, c'est optionnel. En fait, ils vont pouvoir choisir ça ou d'autres cours. Mais sinon, en général, on a santé animale, nutrition animale, technique de production animale aussi, là, qui englobe là, tous les secteurs animaux. Puis encore là, ben, on se retrouve souvent à se déplacer sur des entreprises, oui, pour visiter, mais aussi pour travailler sur des entreprises. Okay. Ben, c'est vraiment l'approche par compétence. Fait, quand on va se déplacer sur une entreprise, ben, on veut faire quelque chose, on ne veut pas juste aller voir, on ne veut pas juste observer. Là.
C'est ça, tu veux vraiment mettre la main à la porte, ouais, apprendre un peu sur le tas, dans le fond, directement aussi. Puis ça, c'est dans le cadre de leur programme, j'imagine. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de partenaires avec la cité, où est-ce qu'ils vont justement sur les fêtes? Oui, exactement. Fait que, en parlant des partenaires, ça, c'est essentiel. Là. Écoutez, à la cité, on pourrait pas avoir une ferme laitière, une porcherie, un poulailler, là, ça serait impossible avec les investissements, mais on a la chance d'avoir des partenaires. Principalement dans l'Est ontarien là, qui nous accueille chez eux. Ben, en tout cas, merci à vous autres d'être là pour nous. Là. Ben, c'est un travail de partenariat et de collaboration. Là, exact. Ça crée aussi un peu des fois de la relève justement dans le domaine agricole aussi. Puis des fois, peut-être qu'il y en a qui ont des fermes, que ce soit la diable ou peu importe, ou est-ce qu'ils ont besoin de la relève justement ou des gens qui travaillent avec eux pour amener leur entreprise peut-être à un autre niveau. Oui, tant mieux. On exactement, c'est ça. Merci. Puis, les partenaires aiment tout le temps ça, avoir quelqu'un comme soit échanger avec les étudiants ou avec les professeurs justement sur les nouvelles technologies ou les nouvelles techniques de production, puis nous partager aussi ce qu'ils font comme expérience. Donc, on a un partenaire dans le goût d'Alfred Plantagenet, là, est vraiment généreux avec les étudiants. Il fait beaucoup d'essais au champ et dans le biologique. Puis ils partagent tout ça. Donc, pour les étudiants, c'est intéressant là, d'avoir ça. Puis ça, aussi, ça développe leur réseau de contact. Ça, c'est une autre affaire. Oui. En parlant de réseau de contact et de gestion, on a aussi des cours de relations d'affaires, gestion des ressources humaines. Fait que, ça vient compléter le portrait. Fait que c'est pas juste la production, c'est vraiment la gestion de la production. Fait que c'est des gestionnaires d'entreprises agricoles qu'on forme. Fait que dans le fond, à la fin du 2 ans, tu dirais que les gens sont prêts à aller... est-ce qu'ils peuvent démarrer une entreprise agricole? Oui, vraiment, parce qu'on a des cours de projet là, à la fin de l'année. L'étudiant qui réussit bien ou qui fait bien son projet là, de ferme, là, si on veut, ben, il a son plan d'affaires en main là, pour démarrer sa propre entreprise. Fait que démarrage d'entreprise, après ça, transfert ou relève. Oui. Tout ce qui est de conseil, les techniciens qui vont faire du conseil ou qui vont accompagner les producteurs agricoles dans leurs projets, que ce soit au niveau de la nutrition animale, la phytoprotection, la santé des sols, les engrais, les semences, que autant au niveau grande culture comme maïs, soya, tout ça, que fruits et légumes, tout ce qui est fruits et légumes, grands fruitiers, tous les vergers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers, ça pousse bien ici. Les petits fruits encore, tu sais, bleuets, framboises, cambrises. Moi, je suis une fan de cambrises. Ben, regarde. Tu viens de faire le tour de petits fruits. Oui! Ouais. Tout le monde a entendu, c'était une invitation. Oui. Ah, ben, en parlant d'invitation, ben là, c'est sûr qu'en ce temps-là, mais en temps normal, l'étudiant a un jour, hein, ça, exactement, tu sais, puis vous pouvez communiquer avec nous au recrutement, puis on peut vous parler davantage aussi des programmes au niveau des possibilités justement de peut-être rencontrer Nadia, planifier une rencontre avec Nadia pour avoir plus d'informations, puis y parler juste vous et elle aussi également. On va aussi avoir des portes ouvertes pour les frocs qui vont s'en venir un peu plus tard cette année au mois de mai. Donc, restez informés à propos de ça. Ça va être annoncé très prochainement. Nadia, j'aimerais ça savoir le diplôme. On a parlé un peu de la reconnaissance et tout, mais est-ce que c'est reconnu à travers le Canada? Est-ce que l'étudiant peut aller dans n'importe quelle province ou à travers le monde? Bien, le programme de, le diplôme de technicien, dans le fond, la définition d'un technicien, ça va être reconnu à travers le Canada. D'ailleurs, on est membre de réseaux avec d'autres collèges agricoles, que ce soit au niveau du Québec, je pense. À des collèges au niveau du Québec ou à d'autres collèges francophones ou anglophones ailleurs au Canada. Puis aussi, on fait vous savez, là, aussi beaucoup de recrutement là, à l'international là, dans les pays francophones de l'Afrique là, principalement. Donc, soit que les gens ils vont venir pour étudier puis ils vont retourner amener ces connaissances-là, compétences-là dans leur pays ou il y en a qui vont rester ici là, pour travailler. Là. OK, super. Puis, depuis quelques... ça fait 2 ans, je pense, qu'on offre le programme de production de cannabis. C'est la base. Oui, ça a commencé septembre 2020. C'est ça, OK. Ouais, là, ça va être notre deuxième année. Ça va être notre deuxième année qui va débuter. J'aimerais ça un peu que tu nous en parles un peu, parce que c'est un milieu, tu sais, on a su avec la légalisation du cannabis au Canada. Qu'est-ce que ça a apporté? Puis qu'est-ce que, mettons, le programme de la cité, qu'est-ce que nous, on peut apporter au marché
marché du cannabis aussi, peut-être? Oui, exactement. Dans le fond, le programme de production de cannabis, comme on mentionnait tout à l'heure, il est en partie en commun avec celui de fruits et légumes parce qu'il y a des cours qui se ressemblent, malgré qu'il y a des cours spécialement axés sur le cannabis, comme introduction au milieu là, du cannabis, on a ça, meilleurs pratiquants cannabis, entretien et récolte. On a d'autres cours aussi en cannabis, donc on va se déplacer sur des entreprises partenaires. Fait que le principe est le même que nos autres programmes. On va aller manipuler, faire des boutures, faire des recettes d'engrais et tout ça. Donc, c'est au niveau du travail, soit en serre ou en milieu abrité, ou même en champ, parce qu'il y a différentes manières là, de produire le cannabis. Fait que qu'est-ce qu'on peut amener? C'est un secteur qui est nouveau. Mais c'est ça, exact. C'est relativement récent. Fait que nos diplômés, eux autres, ils vont amener vraiment des connaissances précises sur cette culture-là où ils vont aller travailler. Puis encore là, on a le même principe, le stage coop entre les deux années. Le développement là, du réseau avec tous nos partenaires qu'on a. Puis on a des comités consultatifs, donc on n'a pas sorti ça là, de notre chapeau, là, ce fameux programme-là. Fait qu'on a consulté le milieu et le milieu nous a consulté, là, et tout ça ensemble. Fait que c'est un travail de collaboration. Puis on a mis au point le programme qui correspond à ce que les partenaires, qu'est-ce que le milieu veut. Ce qui est recherché, exactement. Ouais, toutes les définitions là, de poste, on regardait ça avec nos partenaires, puis les joueurs là, du secteur, puis on est allé chercher, là, identifier les compétences qui étaient requises par eux, puis on a inséré ça là, dans le groupe. Ok, super. Tu as parlé un peu de l'expérience des enseignants. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles des enseignants du programme, tu sais, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Vous n'êtes pas juste des enseignants, vous êtes des gens qui connaissent très clairement le milieu. Est-ce que vous œuvrez encore dans le domaine? Parle-nous un peu de tes collègues et de toi, bien évidemment. Mais c'est ça, comme moi, je suis principalement à temps plein là, à la cité, mais j'ai une entreprise aussi en horticulture, là, donc j'ai des sœurs, fait que c'est plus gouvernemental, mais les techniques de production là, sont les mêmes, les compétences transversales sont là. Au niveau de mes autres collègues, on a des agronomes du côté de la phytoprotection, agro-environnement, là, je pense à Isabelle, à Philippe aussi. Là, donc, eux autres, ils sont conseillés en agro-environnement, fait qu'au niveau des cultures, là, ils vont voir des producteurs. Toutes les saisons, ils ont des nouveaux producteurs, ils participent à des projets de recherche, ils sont au courant là, des nouvelles façons de produire ou des nouvelles technologies. Après ça, on a un autre Philippe qui a sa propre entreprise, là, c'est un agronome aussi en fruits et légumes. Donc, il va amener des étudiants là, chez lui, Audrey aussi, verger. C'est ça qui est le fun parce que quand les étudiants nous disent souvent qu'ils n'ont pas l'impression d'être à l'école avec nous autres, là, c'est ça. Fait que, tu sais, on partage notre expérience avec eux autres, on va partager aussi nos erreurs, puis tout ça, puis on essaye d'aller chercher le maximum là, d'expérientiel avec eux autres. J'imagine, tu sais, que c'est très expérientiel, comme tu l'as dit, tu sais, c'est très concret. Ils vont travailler sur des projets. Est-ce qu'il y a beaucoup de théorie dans le cadre du programme? J'imagine la première année, là, c'est normal. Oui. Ben, tu sais, on n'a comme pas le choix là, de sortir en théorie. Là. Ben, on essaie de faire une variété, en fait, là, de modalités pédagogiques. Je pense que c'est exactement comme ça que je vais le dire. Fait qu'on essaie de varier vraiment les modalités pédagogiques. Fait que ça soit. On va parler par exemple de la classe inversée là, qu'on utilise beaucoup. Fait que la classe inversée, c'est l'étudiant va faire ses lectures, va visionner ses vidéos chez eux. Puis quand on est en salle de classe, bien, on va travailler sur des projets. Fait que là, les professeurs sont là pour vraiment les accompagner. Fait que tu sais, souvent quand tu vas faire tes devoirs, tes projets chez vous, bien là, tu as des questions, c'est la fin de semaine, le professeur n'est pas là. Bien là, dans ce temps-là, tu sais, quand tu es en salle de classe, bien, puis tu peux échanger avec tes collègues. Après ça, il n'y a pas vraiment là, de cours magistral là, de 3 heures. Je pense que ça ne se voit plus, hein, ça. Mais peut-être pas en tant que pandémie, en tout cas. C'est ça. Fait qu'on varie, puis aussi, ici même, on a des locaux là, de culture, laboratoire
de multiplication, puis salle de croissance, atelier de machinerie agricole que vous avez vu aussi. Donc, tu sais, ici, on a des laboratoires, puis des projets que les étudiants vont réaliser ici même. Puis, quelqu'un qui a déjà de l'intérêt, qui a déjà une famille, qui a, dans le fond, une ferme ou peu importe, beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agriculture, j'imagine que c'est quand même possible de faire une demande de reconnaissance des acquis pour évaluer justement si les compétences ont été acquises. Oui, ben oui, exactement. Donc, l'étudiant qui a déjà de l'expérience, que ça soit au niveau de l'entreprise agricole ou même, on en voit aussi beaucoup en comptabilité des fois, là, ou en finance, ils ont de l'expérience là-dedans, ou ils ont fait d'autres études, fait qu'ils peuvent demander une reconnaissance des acquis. Donc, ça va diminuer un peu la durée de leur étude. Ils vont pouvoir se concentrer au maximum sur les compétences qui leur manquent et celles qui viennent rechercher ici. Super! Qu'est-ce que tu en penses qu'on aille faire une visite guidée un peu des laboratoires? Bien, ici, c'est notre laboratoire de multiplication. Fait que c'est un laboratoire qui sert pas seulement à la multiplication des plantes. T'sais, comme on va en faire des semis, de la bouture, du greffage, du marcottage. Mais avec les équipements qu'on a, on peut aussi manipuler différents aliments, par exemple pour les animaux, pour les vaches laitières, que ce soit au niveau des fourrages ou d'autres types d'aliments. On a les tables, le mobilier se déplace. Les étudiants sont vraiment dans un environnement qui est collaboratif. Puis, c'est ça, c'est tout. On peut tout bouger ça là, comme à notre guise si on veut. On a nos étagères là, de croissance pour nos semis, nos coutures, tout ça. Puis, on fait aussi des projets de collaboration là, avec la recherche appliquée, là, une petite chambre de croissance, en fait, à environnement là, contrôlé, si on veut. Fait que les étudiants aussi peuvent être en mesure de connaître qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine à ce niveau-là. Donc, ici, c'est notre salle de croissance intérieure. C'est comme une serre, mais pas une serre. Donc, c'est à l'intérieur, il n'y a pas de toit de serre, sauf qu'il y a tout l'environnement contrôlé pour optimiser la croissance des plantes. Principalement, ici, ça va être des tomates, concombres, aubergines, piments, laitues, fraises. On va privilégier des cultures dans lesquelles on va pouvoir développer des compétences là, transversales pour aller venir appliquer ça à d'autres cultures. Donc, la tomate qui a des différentes particularités, les concombres aussi, les aubergines, les fraises, puis la laitue. Les équipements aussi qu'on a, c'est des équipements qu'on va retrouver dans l'industrie. Fait que ça soit au niveau des tables inondables, de l'éclairage, système de brumisation, système d'irrigation aussi, mais même de fertigation, parce qu'on a mélangé là, nos engrais, nos fertilisants là-dedans. Fait que l'étudiant peut voir qu'est-ce qu'il va retrouver là, à la fine pointe du marché. Puis on a un système de contrôle intégré, là, qui est le système Argus, donc assez sophistiqué. Puis les étudiants ont accès aussi à des simulations dans ce système de contrôle-là. Donc on a recréé un environnement virtuel d'une serre. Donc selon différents paramètres, l'étudiant peut faire une simulation. Fait qu'on va simuler, mettons, une journée nuageuse. De quelle façon l'étudiant va programmer son système? Qu'est-ce qu'on veut comme éclairage, comme température, comme humidité? Donc, on va pouvoir jouer là, avec ça, là, ces systèmes-là. Donc, ici, c'est notre espace de jardin urbain. Si on veut, donc, au niveau de tout ce qui est nouvelle tendance de jardin urbain, là, c'est certain qu'à ce temps-ci de l'année, il n'y a rien. Là, mais tout le potentiel là, qu'on peut développer ici avec les étudiants, chaque étudiant peut avoir son bac, son espace de jardin. Après ça, avec les clôtures, on peut faire des murs verticaux, cultiver des grands fruitiers, des petits fruitiers en pot, en smart pot. On a bien du fun à jardiner ici. Fait que ça s'intègre là, encore là, dans notre suite de cours là, de fruits et légumes, évidemment. En plus des entreprises qu'on a comme partenaires qu'on peut aller chez eux développer d'autres techniques comme en plein champ, le légume en champ qu'on ne peut pas faire ici, évidemment. Mais qu'on va aller chercher d'autres techniques de production qu'on peut faire. Ici, bienvenue dans l'atelier de mécanique agricole. On a sorti le tracteur, là, mais ici, on va pratiquer soit des techniques là, d'entretien ou des techniques de démontage ou remontage. Donc encore là, ça va prendre un équipement là, spécialisé là, de bottes spéciales et
ça pour les étudiants, mais ça, c'est les cours que les étudiants adorent là, ici. C'est dans les cours là, préférés là, des gens. On a pu voir les installations. En tout cas, moi, je suis impressionnée de ça parce qu'on ne dirait pas qu'on a tout ça à la cité. Je pense que les étudiants sont en très bonne main. Donc, Nadia, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour cette dame? Merci, oui, toujours possible de s'inscrire. Donc, c'est pas un programme là, qui est contingenté. Ça prend un diplôme d'études secondaires ou différentes autres conditions pour les candidats adultes. Oui, bien, dans le fond, c'est juste la réussite là, du test de compétences pour réussir. Donc, si vous êtes candidat adulte et que vous avez besoin d'informations sur les compétences, justement, pour réussir, bien, communiquez avec nous. Donc, il y a différentes façons de nous rejoindre. Donc, soit par courriel à info@commercialecollegelacité.ca, par téléphone aussi au 613-742-2483 à l'option numéro 1 ou encore même via Messenger ou le chat sur notre site web. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Nadia, un énorme merci. J'espère que ça l'a... En tout cas, tu as transmis ta passion certainement pour l'agriculture, puis j'espère que les étudiants qui vont débuter le programme en septembre vont être aussi contents que moi de te parler. Ben, merci beaucoup, j'ai vraiment aimé ça, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions, puis bienvenue en technique agricole. Merci tout le monde!